notre équipe qui s'agrandit, qui varie selon les meet-ups et une petite surprise, une conférence que l'on prépare. Maintenant, l'objectif du meet-up, c'est quoi? C'est de toujours venir faire parler des passionnés qui ont fait un produit ou qui ont développé de la technologie pour stimuler toutes les applications possibles de l'IA, de voir ce qui a déjà été fait et dans cet esprit de partage, pouvoir se dire que tiens, nous aussi, on va peut-être faire ça. Donc, ça s'adresse à la fois aux personnes du monde de la tech, aux personnes du monde qui ont envie de justement appliquer, voir comment on pourrait utiliser l'IA dans la prod. Par rapport à comment est-ce que l'on peut faire en sorte que cet écosystème puisse continuer à grandir, puisse continuer à exister, on est très intéressé par vos propositions, donc de venir discuter et échanger de sujets que vous avez déjà en prod, que vous avez déjà fait et pouvoir le partager avec la communauté. Et si vous avez aussi des idées d'endroits où que vous pouvez accueillir notre meet-up, c'est toujours intéressant de changer d'endroit et de voir de nouveaux horizons. Alors, on a un Discord, on a un Twitter. Si jamais aussi vous avez des idées sur comment cette communauté puisse continuer à exister en dehors de meet-up, n'hésitez pas à venir me voir à la fin lors du cocktail, on pourra en discuter. Par rapport aux questions, la façon dont ça va se passer, c'est que pour ceux qui nous regardent en live, vous pouvez scanner ce QR code et pouvoir poser vos questions aux intervenants à la fin de chacun de leurs talks. On a aussi un partenaire avec la Générative AI Nantes. Ils organisent des événements sur un format mensuel. Ils font aussi des workshops. Je vous invite à voir leur page. En ce qui concerne du déroulement de la soirée aujourd'hui, on va donc commencer par Noé de chez Sicara. Ensuite, ce sera au tour de David et enfin Philippe. Et on va finir par un petit cocktail avec des pizzas, mais aussi des légumes, du houmous. Un grand merci à l'équipe du Wagon qui viendra parler par la suite et présenter l'endroit, mais qu'on connaît tous et qui est en effet très, très sympathique. Et un grand merci à nos sponsors récurrents, la personne de Sicara, Théodo, Le Bon Coin et Noah Nexus Agency. Pour vous parler plus en détail de Sicara, cela fait déjà 6 ans qu'ils créent des solutions en rapport avec le data science et l'IA. Ils ont beaucoup de clients dans divers secteurs et participent beaucoup au partage de la communauté avec l'open source et en organisant des événements. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Salut tout le monde. Avec toute l'équipe, on est content parce que depuis fin juillet, on travaille sur l'organisation d'une grosse conférence sur une journée. Donc ça va se passer chez Le Bon Coin 30 novembre prochain. On vous a préparé un code promo pour prendre des places qui est là. Et aujourd'hui, petit truc fun, ce qu'on vous propose, c'est de gagner 4 places ce soir. Alors, le concept est très simple. Il faut que vous scanniez ce QR code. Vous arrivez sur mon LinkedIn. Je viens de faire un post pour annoncer. Et je tirerai au sort 4 places parmi les gens qui ont liké et commenté mon dernier post qui parle de GitHub Copilot. Je vais laisser ça 40 secondes pour que vous ayez le temps de prendre. Sinon, vous pouvez me retrouver sur... Si le QR code, ça marche pas, c'est Maxime Tonsen. Et donc, faites ça, likez, commentez. L'idée, c'est qu'on est assez nombreux ce soir et on essaie de donner le maximum de visibilité pour la conférence. Et si on est nombreux à liker et commenter, j'espère que le post va prendre un peu d'ampleur. Et un peu plus tard dans la soirée, je ferai un tirage au sort des gens qui ont fait ça. Donc, la conf est le 30 novembre. Il y a un super... je ne sais plus si on a fait une slide qui... Non, on n'a pas fait de slide sur le... Sur les speakers, mais dans le post LinkedIn, j'annonce un mec de Copilot, il y a des gens de Brut, de Carrefour. En fait, il y a vraiment tout un panel d'industrie et d'expertise. On espère vous y voir nombreux. Et si vous avez des questions, on sera présent à la fin des talks pour en parler. Voilà, et je redonne la place à Nicolas ou au Wagon pour la suite. Merci beaucoup. Merci en tout cas à Générative de nous faire confiance. Pour cette maintenant, juste par curiosité, qui c'est qui connaît le Wagon, juste pour lever la main, pour avoir une idée. Ah, quand même pas mal de monde, donc je suis plus ou moins dans un pays plus ou moins conquis. En attendant, je vais me présenter, je m'appelle Ursula et je suis en charge de la partie Event and Committee du Wagon. Donc, je vais présenter le Wagon en quelques mots. Donc, nous, on est une école de tech, on a plus de 22 000 alumni à travers le monde, on est classé numéro 1 au niveau des formations, on propose formation dans la data analytics, data science, data eng et aussi dev. Voici une petite carte de là où on est partout dans le monde. Donc, on aime bien hoster ce genre d'événements, on aime bien proposer différents événements. Donc, si demain, vous êtes parmi les différents pays, plus ou moins régions, n'hésitez pas à faire un tour au Wagon et voir ce qu'on propose. Peut-être qu'il y aura un autre Générative AI quelque part dans un autre campus.
Donc, on propose différents types de bootcamps. On propose des bootcamps sur de longue durée, donc 400 heures, et un autre beaucoup plus court, qu'on appelle ski course. Au niveau des bootcamps, donc, comme je l'ai dit, on propose différents formats. Donc, on propose soit sur notre campus, donc c'est pour ça que vous voyez les classes, salles de classe derrière nous, soit, donc c'est soit en ligne, soit sur format flex. Vous pouvez faire soit à temps partiel, donc c'est vous gardez votre travail, mais le soir, vous venez au wagon. D'ailleurs, ils sont dans la petite salle à côté. Ils sont en train de travailler. Donc, vous venez trois fois dans la semaine au wagon pour étudier. Et on propose aussi, on s'est associé récemment avec Google pour tout ce qui est data et IA. Au niveau des skill courses, donc, c'est plus de formations courtes, axées pour les personnes qui souhaitent monter en compétences sur leur poste actuel. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour au wagon. Et voici quelques entreprises qui nous font confiance. Je vais m'arrêter ici et je vais laisser la parole aux personnes suivantes. Merci de m'avoir écouté.